traversé l'Atlantique, direction la Guadeloupe. Il est dimanche, on vient de quitter Mindelo. Et derrière moi, il y a Saint-Tintin, qui est le dernier morceau de terre avant 14 à 17 jours. À peu près la durée prévue pour arriver à la Guadeloupe. À la barre, la capitaine. Notre four solaire, fidèle à son poste, on cuit actuellement des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet coupées en petits morceaux et cuites dans le four solaire. Ma chérie qui se repose pour se connecter sur internet grâce à notre téléphone Iridium. On a reçu un mail de Yemaya. On est en plein milieu de l'océan Atlantique. On a quitté Cap-Vert il y a 3 jours. Il nous en manque encore 12 à peu près, en fonction des vents. On espère arriver avant les fêtes. On navigue uniquement avec la voile avant, qu'on appelle le génois. On a tangonné, ça veut dire qu'on a fixé une barre. On appelle ça le tangon de spi. Pour la maintenir écartée afin qu'elle puisse recevoir un maximum de vent arrière, parce qu'on est en vent arrière. Et rien qu'avec ce petit bout de voile, parce qu'elle n'est pas entièrement déployée, on fait déjà du 7 à 8 nœuds, c'est-à-dire entre 14 et 16 km/h. Coucou chouchou, alors qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. T'es fatigué? Alors qu'est-ce qui t'arrive? Pas possible la nuit dernière, la mer est agitée, on a dû réduire les voiles la nuit. Voilà, c'est vraiment la loterie tous les jours. Bon, on est déjà à la moitié du parcours, maintenant ouais. Ça va aller en diminuant. On est à la moitié du parcours, aujourd'hui ça fait 7 jours qu'on est en mer, en principe on a encore pour 7 jours, ça dépendra du vent. Les courants. C'est quand même une sensation assez particulière de se trouver isolé au milieu de nulle part. Là, on est actuellement en plein milieu de l'Atlantique, ouais, on peut le dire, en plein milieu de l'Atlantique. Rien autour, on ne voit pas de bateau, il n'y a pas de signal à l'AIS, qui est le système de détection des bateaux. Pas de message radio, rien. Et puis ces derniers jours, on a quand même eu beaucoup de nuages gris. On a eu de la pluie hier, alors qu'on nous a toujours vendu la traversée comme tranquille, avec du soleil, les gens qui mangent dehors. Ben nous, c'est pas du tout le cas. On a capturé du poisson. Aujourd'hui, on a du soleil, mais qu'en partie. Il faut savoir que presque depuis le départ, on doit mettre le moteur en route pour charger les batteries parce qu'il n'y a pas assez de soleil, tellement il y a de nuages. Donc hier, on a fait 1h45 de moteur rien que pour charger les batteries. On va voir aujourd'hui jusqu'à combien elles seront chargées, mais je pense qu'à la fin de la journée, il va falloir mettre un petit coup de moteur supplémentaire. Coucou mon chou. Regarde comme il fait beau. Mais alors les 2 derniers jours, c'est pas beau du tout. 2 jours à la barre. Parce qu'on n'avait plus de moteur pour avoir des batteries tout là. 2 jours d'or. Je suis crevée. On fait la lessive.
Ah, avec la gîte, ça va pas être facile. Wow. Ah, accroche-toi. Jour de lessive sur Seal Cap, en plein milieu de l'Atlantique. Bon, on lave juste l'essentiel. Hein. On va pas faire une lessive complète. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu dessines un riz vertical. C'est quoi le chiffre 3? Troisième riz, d'accord. Alors ça, ce sont des beignets de dorade coryphène qu'on a attrapé, qu'on a eu pour plusieurs repas. On essaie de varier les recettes. Donc là, Diana a fait une sorte de pâte à beignets. Pas facile de cuisiner quand ça agite, ça roule. Vous pouvez vous apercevoir par le roulis de la cuisinière. Diana doit s'appuyer sur ses deux jambes pour pas tomber. Il y a tout qui bouge. Vous voyez dans quelles conditions on cuisine. Dans un jour et demi, on arrive aux Caraïbes. On a mis la musique. C'est pour nous mettre dans l'ambiance. Il y a la capitaine qui est à la barre. Dissert, ça fait quand même que deux jours comme ça. Ouais, bon, ça fait que deux jours que c'est comme ça calme. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais n'empêche, on arrive aux Caraïbes. On met la musique à fond. Myself, what a beautiful world. Alors, c'est pas comme ça qu'on s'imaginait l'arrivée en Guadeloupe. On doit surveiller s'il y a des casiers de pêcheurs. C'est vraiment truffé de casiers de pêcheurs partout. Alors voilà, on va faire ça pendant quelques heures déjà. Bonjour à tous. Il est dimanche 22 décembre, 7h30 du matin. En principe, c'est notre dernier jour de navigation. L'occasion pour nous de faire un petit bilan de cette traversée. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Qu'est-ce qu'on a aimé le plus? Alors, pour le plus difficile, je pense que c'est le moment où on a dû barrer pendant deux jours parce qu'on n'avait plus de moteur. Et les panneaux solaires n'arrivaient plus à alimenter assez les batteries. Il y avait trop de nuages. Et les deux jours de navigation à la barre, c'était très dur. On devait se relayer toutes les deux heures, toutes les heures. Alors, c'était pas une navigation tranquille du tout. Beaucoup de roulis avec des vents à 20 à 30 nœuds, donc ça bouge. On avait quand même des moments de doute ou de questionnement. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là au milieu de l'Atlantique? Si jamais quelque chose se casse, qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, on avait un téléphone satellitaire, on a pu résoudre nos problèmes. Et c'était en tout cas un grand apprentissage pour nous, pour les voiles. On a pu tester des réglages. On a appris pas mal de choses sur la mer aussi, parce qu'on a barré, donc on a senti la mer. Je dirais que c'est, on a appris en deux semaines plus que ce qu'on a appris en une année de navigation. Ouais, c'est une superbe expérience. Pas facile, hein. Il y a quand même toujours la crainte que quelque chose casse. La preuve, c'est le moteur qui s'est arrêté. Et ça, c'était très embêtant, pas pour naviguer, mais après pour arriver sur place, pour mouiller, pour charger les batteries.
Donc, on a pu le résoudre. Alors ça, un petit mot pour le téléphone satellitaire Iridium. C'est un système qui nous permet de charger les cartes météo tous les jours, mais aussi d'envoyer des SMS, d'en recevoir, aussi d'envoyer des mails, d'en recevoir. On a pu même poster sur Facebook des images, pas directement, il fallait passer par un email, par un autre logiciel, mais on a posté tous les jours. On avait aussi un petit blog pour que les gens pouvaient lire. Voilà. Un outil ou un instrument qu'on conseillerait pour les traversées de l'Atlantique, c'est d'avoir un téléphone satellitaire comme l'Iridium Go. On ne fait pas de la pub, c'est le seul qu'on connaît, c'est celui qu'on a. On ne touche pas de commission. Vas-y. Ah, c'est une petite bonite. Un petit ton. Petite bonite. Ok. Dernier jour de navigation. Dernière pêche. Ah oui. On croyait que c'était fini la pêche hier parce qu'il y avait les algues sargasses qui se mettaient au bout de la ligne, mais dernier jour. Premier barracuda. La dernière fois c'était un wahoo, un tazar. Cette fois c'est un barracuda. Donc on les reconnaît par la bouche. La mâchoire inférieure est plus longue que la supérieure, et puis par les dents. Alors pour continuer notre bilan, donc quand on a été interrompu, je vous parlais d'Iridium, du système Iridium. Pour moi c'est presque indispensable, hein, comme l'AIS. En tout cas pour les débutants, oui. Ouais. C'est très rassurant. Il faut savoir que c'est aussi un système de sécurité et on peut téléphoner avec. Et on peut programmer des numéros et des mails d'urgence, SOS. Donc ça fait un doublon par rapport à notre balise de détresse qu'on peut déclencher aussi. Donc ça fait deux systèmes de sécurité. Donc ça c'est aussi très rassurant. Et puis là, de parler avec nos amis, nos proches. Et on peut même l'utiliser pour Internet à très très bas débit en format texte. J'ai pu aller sur un moteur de recherche. DuckDuckGo, qui est très léger, on peut chercher des informations et lire après les pages en mode texte. Moi, je mettrai tout le descriptif et comment l'utiliser dans le commentaire. Qu'est-ce qui était difficile lors de cette transat? Je pense que c'était la condition de la mer qui faisait rouler beaucoup, beaucoup de bateaux. Mais bon, on avançait très bien. Et puis après, c'était effectivement le moteur qui ne fonctionnait pas. Il fallait trouver une alternative, toujours avoir un plan B. Et on se rend compte qu'on ne peut pas juste prendre un bateau et faire la traversée de l'Atlantique sur un coup de tête. Il faut vraiment que le bateau soit prêt pour traverser, être en autonomie complète pendant 2 semaines. Et l'équipage aussi doit être prêt, savoir quoi faire en cas de souci. Ou au moins avoir un téléphone pour appeler quelqu'un par satellite et pouvoir avoir des conseils de quelqu'un expérimenté. Comme nous, on a pu avoir une aide par rapport au moteur qui ne marchait pas. Mais on savait où chercher le problème. Donc quand on nous parle d'un injecteur, on savait où aller, où chercher, où dévisser les choses. Donc c'est ça, c'est être prêt, oui. Je dirais, parce que si vous êtes au milieu du chemin et il y a un souci, et tout peut casser, tout peut être en panne, absolument tout, il n'y a pas de règles, bah, il faut savoir quoi faire.